Dans la petite boutique de produits corse tenue par Laurent, les vacanciers défilent. Voilà. Fromage, charcuterie, canistrée, le trio gagnant est toujours le même, d'où que viennent les voyageurs. Beaucoup de gens du continent, mais aussi des étrangers qui viennent. Par exemple, on a eu des Tchèques, on a eu des Autrichiens, beaucoup de Luxembourgeois, des Belges, même des Anglais, bon, qui pourtant aujourd'hui devraient être chez eux avec le mariage princier. L'an dernier, l'Office du tourisme a enregistré 165 000 visites entre janvier et septembre dans le centre Corse. Et chaque année, Corte confirme son succès auprès des visiteurs. On a prévu la visite de la citadelle, du musée, et puis on pense prendre le petit train pour aller faire le tour de la ville, comme ça on aura tous les commentaires et toutes les explications. Et on a vu qu'aujourd'hui il y avait une procession vers 5h, un concert gratuit à 9h, donc voilà, on a l'intention un petit peu d'en profiter. On vient de loin pour visiter l'ancienne capitale de la Corse, passage obligé des randonneurs. Maria, guide conférencier, accompagne un groupe de touristes québécois. On est parti de l'intérieur du musée, du parvis du musée. On est monté jusqu'au Belvédère, hein, puisque c'est à partir de là qu'on voit vraiment l'importance stratégique, géographique de Corte. On a eu une petite explication aussi, et ça tombe bien aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, jour incontournable pour les Cortenais, hein, Saint-Théophile. Et en bonus ce week-end pour les voyageurs, un volet patrimoine avec les festivités de la Saint-Théophile.